Revenons à N'Djamena pour dire que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un contingent tchadien est prêt pour être déployé au Mali pour la stabilisation de ce pays frère. La troupe a reçu ce matin la visite du chef d'état-major général des armées 2e adjoint et la représentante de l'ambassadrice des États-Unis au Tchad. Les deux personnalités sont allées encourager les éléments du contingent avant leur départ. Varelaji. Le 4e contingent tchadien de la MINUSMA est prêt à commencer sa mission de maintien de la paix au Nord-Mali. Et c'est après avoir passé 3 mois de recyclage par l'armée américaine de l'Africom. Le chef d'état-major général des armées 2e adjoint, Nguinambaye Bardé, et la représentante de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Tchad sont venus prodiguer des sages conseils et rehausser le moral de la troupe. Vous avez terminé 12 semaines de préparation physique et mentale. Vous avez acquis des compétences militaires pour vous préparer pour les tâches et responsabilités des gardiens de la paix. Ce 4e contingent regroupe au total 1200 hommes. Il sera dirigé par le colonel Mamad Tom Hamid Djeri. Celui-ci mesure la lourde mission qui l'attend. Vous devez travailler tout en respectant les règles d'engagement et préceptes propres à toutes les missions des Nations Unies. En recevant le certificat de reconnaissance des mains du chef d'état-major général des armées 2e adjoint, Mamad Tom Hamid Djeri s'est dit prêt à accomplir cette noble et exaltante mission. Et nous en sommes au 2e titre de ce journal, ouverture ce lundi de la 3e édition de la mission économique hollandaise multisectorielle de la prospection des opportunités d'affaires et d'investissement. Il s'agit d'un forum d'échange entre les opérateurs économiques hollandais et tchadiens. Au-delà, cette mission est une occasion de rapprochement des deux pays. C'est le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Mahamat Hamid Kwa, qui a donné le coup d'envoi de la mission. Varelaji. Améliorer le monde des affaires entre la Hollande et le Tchad, c'est le sens de la tenue de cette 3e édition de la mission hollandaise multisectorielle de prospection des opportunités d'affaires et d'investissement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2017-2021, dont la résultante est la tenue de la table ronde de Paris en France pour la mobilisation des ressources financières. Près d'une dizaine de chefs d'entreprise vont échanger avec les opérateurs économiques tchadiens dans divers secteurs d'activité. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie renouvelable, de l'implantation de la boulangerie, d'hydraulique et bien d'autres. Je crois fermement que le développement d'un pays passe par le secteur privé. Je reste convaincue que nous pouvons bénéficier davantage de la connaissance du secteur privé hollandais et de ce dont elle peut nous apporter en termes de connaissances et expériences et d'investissement. Pour le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, la crise conjoncturelle due à la chute vertigineuse des matières premières sur le marché international a eu des répercussions sur l'économie nationale. C'est pourquoi il faut une diversification de l'économie. Je vous exhorte à capitaliser sur les savoir-faire de l'expérience hollandaise en matière de technologie, en matière de production agricole et de l'industrie agroalimentaire, dans le domaine de la santé. Et dans tous les domaines, ce pays avec des opportunités extraordinaires et aussi avec une valeur ajoutée avérée dans plusieurs secteurs. Cette rencontre qui s'est ouverte ce lundi s'achèvera le 15 novembre prochain. Elle permettra aux innovateurs tchadiens de présenter leurs projets pour accéder au financement. Le comité technique d'action pour la sécurité alimentaire et la gestion des crises qui regroupe les partenaires et les techniciens en charge de l'agriculture s'est réuni ce 13 novembre. Il s'agit pour les différentes parties prenantes d'analyser les résultats des enquêtes menées sur la sécurité alimentaire au Tchad. On en parle avec Estelle Abdelkader. Ils sont plusieurs techniciens et professionnels de l'agriculture à se retrouver pour partager les résultats des différentes enquêtes menées sur la sécurité alimentaire. À travers cette réunion, le Comité d'action pour la sécurité alimentaire et la gestion des crises entend sortir une cartographie alimentaire afin de faire face à l'insécurité alimentaire. Pour disposer des données sur la situation alimentaire et nutritionnelle du pays, ces données vont alimenter aussi
Un autre exercice appelé l'analyse de cadre harmonisé. Les différents résultats présentés par le Comité d'action pour la sécurité alimentaire et la gestion des crises sont satisfaisants, précise le secrétaire général du ministère concerné. Aujourd'hui, disposer de données, cela veut dire qu'on peut aussi mettre à la disposition de la RHI, surtout de décider des éléments d'appréciation pour pouvoir décider au sort de nos secteurs. Aujourd'hui, on est satisfait parce que malgré la difficulté actuelle de la conjoncture économique que traverse le pays, nous avons pu obtenir, surtout les différents départements ministériels, ils ont pu conduire avec succès les différentes enquêtes qu'on vient de présenter ici au comité technique de Casaxé. Cette enquête nationale sur la sécurité alimentaire soumise à l'appréciation des partenaires membres du Comité technique d'action pour la sécurité alimentaire permettra au gouvernement de disposer des données fiables pour des réponses appropriées.